Bonjour. Bonjour, bonjour. Allez, on est prête pour la séance. Allô, allô. Ok. On va travailler un peu tout le corps aujourd'hui. Un peu plus les cuisses. Donc, qui dit cuisse, ça veut dire tout le bas du corps, hein, fesses, hanches, intérieur des cuisses, et, quadriceps, arrière des cuisses, tout. OK? Bonjour Amel, Farida, Marba. Donc voilà, on va travailler bien ça, on va travailler les abdos et on va travailler un petit peu le haut du corps aussi. Eh ben, Marie, London, Marba. Thank you very much for following us from London. OK, super. Huria, t'es là, c'est bon? Samira, where are you? From Dubai, where are you? Je suis prête, cool. Moi aussi, je suis prête. Je suis prête depuis 7 h du matin. Ok, Marie, avec plaisir. Alors, les nouvelles, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup qui veulent commencer, qu'elles n'ont jamais fait de sport. Elles vont commencer aujourd'hui, peut-être. D'accord? Vous allez pouvoir faire avec nous, il n'y a aucun problème. Tamarin, toujours, je choisis des mouvements simples. Les gars, les facilement. D'accord? Après, le travail, il change d'une personne à l'autre. D'accord? Chacun et ses capacités. Les fessiers, oui, on va travailler les fesses aussi. Donc, les nouvelles, par exemple, les jambes, ok? Si moi, je fais, par exemple, une série de 8, tu m'as dit 4, barque. Si je fais, moi, 8 fois le même exercice, tu m'as, vous faites 4, par exemple, d'accord? Yani, adapter l'exercice selon vos capacités, d'accord? Mais sinon, tout le monde peut faire ma kesh, je suis débutante, qu'est-ce que je dois faire, d'accord? On peut tout faire, d'accord, dans le sport. C'est juste chacun, à la seb. Oh, Samia! Très bien, ma chérie. Avec plaisir. Ça me fait plaisir de te voir. Samia Bouchnafa, notre chef, cuistot. Dali Hania, marhaba, marhaba, bikoussi. Donc voilà. Tout le monde peut faire ces exercices, ok? Donc cette séance, c'est une récupération pour la séance d'hier. Hier, on avait normalement, on devait faire un live, mais je pouvais pas être disponible, donc je vous le rattrape ce matin. Et si je peux, demain aussi, inchallah, même heure, on fera aussi une séance, ok? Comme ça, lundi aussi, je serai pas disponible. Je dois faire la route. Voilà. Est-ce qu'il y a tout le monde là? C'est bon, on est prête, on peut y aller. Alors les nouvelles. Écoutez bien ce que je dis et regardez bien les mouvements, comment je les fais, d'accord? C'est très important de faire le mouvement correctement. Je préfère faire un mouvement correctement et faire juste quelques séries ou là, quelques répétitions, 4 ou 5, mieux que de faire Coco du Maroc, marhaba, mieux que de faire l'exercice n'importe comment et faire, je sais pas, une centaine de répétitions. Je vais l'enregistrer, bien sûr, sans problème. Ok. Houda Kamel, marhaba, fella, marhaba, ça fait plaisir. Ou l'arrête, le live, ça fait un moment, quand on est en déplacement, c'est pas évident. Ok, everybody's here. Samira, I don't see you. 1 minute, je m'habille. Vas-y, Zaza, fais vite, fais vite. On va commencer à s'échauffer doucement, d'accord? Bonjour, bonjour. Bon, je vais quand même mettre une petite musique. C'est surtout pour moi la musique. Moi, je suis conditionnée par la musique. J'ai toujours travaillé avec la musique. Donc, toujours, ça m'inspire et j'improvise selon la musique aussi. Donc, les exercices et tout. Ok, super. On va travailler tout le corps. On va tout travailler. Suivez-moi, maître Afouche, d'accord? Maître Sounich, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? On va tout faire. Aujourd'hui, c'est un live complet, c'est-à-dire une séance complète, d'accord? On va partager, ma belle. Ah, plaisir partagé. Fila, merci beaucoup, ma chérie. Ok. On y va, d'accord?
On va commencer à s'échauffer doucement. Je marche. On marche en attendant les autres qui arrivent, celles qui sont en train de s'habiller et se préparer, d'accord? Nous, on va commencer à marcher. Droite, gauche, pied droit, pied gauche. On marche, ça va, c'est bon, il y a tout le monde. Tout le monde est là, on peut y aller, c'est bon. C'est parti. Genou, droit, genou gauche. Genou droit, genou gauche. Ça, c'est tout le monde qui peut faire ça, d'accord? Après, je serre mon ventre, je serre mes fesses. Donc, zéro les que je comme zéro les fesses, ou la khalfiya, ou la ouchlo. Ok? Et je monte bien le genou. Je monte. Encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je marche. Allez, on marche. Je le fais vraiment en ralenti et décortiqué pour que tout le monde puisse assimiler les exercices, ok? Marche maintenant. Regardez, talon, fesse. Talon droit, talon gauche. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je marche. Il est important de porter des chaussures, hein. Moi j'ai du mal. Sans les chaussures, on expose les chevilles, les genoux aux blessures, d'accord? Surtout quand c'est du cardio, si on bouge, si on saute, c'est très très important de porter des chaussures. Et des chaussures confortables, ok? Alors, prochain exercice, là. J'allonge la jambe. Une fois la droite, une fois la gauche. Regardez, les bras tendus comme ça. Et je vais toucher le pied. Pied gauche, pied droit, d'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je marche. On reprend. Les trois exercices maintenant enchaînés. On va faire 8 de chaque exercice, ok? Genou, ensuite talon et ensuite lancer devant. Ok? C'est parti. Genou droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Préparez le talon droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je lance la jambe droite devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je reprends genou. 4, 5. Si vous trouvez que c'est rapide, vous faites à votre rythme à l'iche, ok? Talon fesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lancez devant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Genou 4 fois. 2, 3, talon 4. 2, 3. Lancez devant 4 fois. 2, 3. On reprend genou depuis le début et 4 aussi. Talon fesse. 1, 2, 3 et 4. Lancez. 2, 3. Genou, on reprend. Allez, on s'échauffe. On n'arrête pas. Talon. 2, 3 et 4. Et genou. Allez, tout le monde. Encore. Soufflez. Talon. Talon. Lancez devant. 1, 2, 3. Je reprends genou deux fois. Allez, talon deux fois. Lancez devant. Genou. Talon. Lancez. Allez, on s'accroche. Une fois de chaque, ok? Chaque exercice, on en fait une seule fois. C'est-à-dire droite-gauche. Genou. Talon. Lancez. Genou. Talon. Lancez. Encore genou. Talon, lancez. Encore une fois, dernière. Talon, je lance et je récupère. Récupérer, soulager. Là.
Regardez, je pointe. Je vois le pied. Là, je pointe. Je pointe mon pied et je touche le sol avec. Après, je pose. Et là, je pointe et je touche le sol. Ok? Là. Allez, allez, encore. C'est très bien. Je pointe, je pointe, je pointe. J'allonge le bras, là. Et bras gauche. Bras droit. Bras gauche. Bras droit. Bras gauche. Bras droit. Bras gauche. Encore. Je souffle. J'allonge bien le bras. On s'étire en même temps. Encore. 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 Maintenant, je pose les pieds, je ne bouge pas les jambes et que les bras. Chauffe, je casse la tête. Là. Et doucement par contre. Hein. Là, on y va doucement faire l'exercice, ok? Avant d'accélérer. Surtout pour ceux qui ont des problèmes de dos, il faut le faire doucement, d'accord? Là. Ok, j'allonge bien. J'allonge bien. Et je travaille mon dos en même temps. On s'étire, on travaille la taille. Les obliques, les poignées d'amour. Ok? Allez, j'allonge. 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 Encore. 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 Très bien. Dernier. Je reviens et je descends. Squat. Et je monte. Et je descends. Squat. Et je monte. Descendez bien. Écartez vos jambes. Chauffons. Je descends bien les fesses. Je souffle. Encore une fois. Je souffle. Et je descends. Et encore. Très bien. C'est super. Je reste là. J'allonge mes bras. Maintenant, je descends. Rien ne bouge. Chauffe les jambes, les jambes, les cuisses ne bougent pas du tout. Que les bras. Chauffe, je bascule. Je bascule. Et je reviens. Et vers la gauche. Et je reviens. Encore une fois à droite. Je reviens. Gauche. Je reviens et je reste. Je descends devant. La poitrine devant. Regardez, j'envoie les bras loin devant et les fesses loin derrière. Chauffe le dos, comment il est plein. Je descends bien ma poitrine. Là. Une ligne droite entre les bras, le dos. Là, je tire loin devant et je relâche. On déroule et on récupère. Ça va? Ça va jusque-là? Très bien. Aïe, bravo. Ça chauffe, hein? Je vais changer ce rythme. On va passer au squat maintenant. Ok. Alors. Alors, premier exercice. Regardez bien. Je vous montre d'abord l'exercice. C'est très bien. Je suis très contente. Je suis très fière de vous. Bravo. Chauffe. Genou. Je descends en squat et je reviens à ma place, ok? Le genou droit. Genou. Je descends. Les nouvelles, s'il vous plaît. Pour bien travailler les fesses, d'accord? Kindrou les squats, déjà. Les talons, il ne faut pas décoller les talons, mais dirou chacun. Qui aime bien les rapports comme ça, les squats, non. Je pose les talons, assemblez les talons, c'est les fesses, les rapports. Imaginez une chaise, d'accord? Imaginez une chaise. Ou bien carrément, pour les nouvelles, vous pouvez aller chercher une chaise ou un tabouret. Comme ça, vous posez les fesses à chaque fois et vous montez, d'accord? Donc, je descends. Quand je monte, je serre, je rentre mes fesses, d'accord? Je serre mes fesses. C'est ça, ok? Alors, l'exercice, c'est ça. Je descends et je reviens. Je serre mes fesses quand je reviens. Genoux. Squat. Et je reviens, d'accord? On va faire 8 comme ça pour la jambe droite. Après, on fait 8 pour la jambe gauche. Les nouvelles, si vous trouvez que c'est très dur, déroulez 4 et 4, ok? Nous, on va faire 8. Ensuite, 8, 8, 8. On va faire, en fait, 3 séries, ok? Comme ça, on va bien travailler le bas du corps. D'accord? Mais on fait des récupérations entre chaque série, d'accord? Ok?
Je peux faire les exercices. Oui, bien sûr. Ah, j'ai accouché il y a presque 3 mois. J'ai fait une rééducation. Eh ben oui, tu peux, bien sûr. Même césarienne, après 3 mois, on peut faire de l'exercice. Hein. Ok, tu peux faire avec nous. Surtout les squats, ça va pas te faire... Donc 8, ok? 3 séries, on va bien travailler ces cuisses. Allez, comme ça je fais ma séance en même temps avec vous, d'accord? Après, tout le monde vous adaptez, je suis à votre les exercices à la SEP, c'est-à-dire le nombre de séries. Allez, genoux, je descends. 1, 2, 3, chauffe-vous, je descends bien les fesses. Si vous voulez bien travailler les fesses, plus vous descendez les fesses, plus vous les travaillez, ok? Encore, 4, 5, je reviens, 6, je reviens, 7, je reviens, et 8, je reviens, je fais la gauche et ensuite on récupère pour la deuxième série. Allez, gauche, squat, 2, 3, je reviens, 4, je reviens, 5, je reviens, 6, je reviens, 7, je souffle, je descends bien, le black carton bien les fesses et je reviens, je récupère. Chauffe-eau, il est très important de ne pas trop pousser le poids sur les genoux. On risque de se faire mal aux genoux, d'accord? C'est pour ça qu'on dit flé. Alors, si on a des problèmes de genoux déjà, c'est pas très conseillé le squat. Surtout si vous ne le faites pas correctement. Parce qu'on a tous tendance à faire les genoux, non? Les fesses derrière. Les fesses derrière, ok? Deuxième série, même exercice, ok? Let's go! C'est parti, allez, genou droit, squat et je reviens, deuxième, je souffle, troisième, je reviens et quatre, en bas, serrez les fesses comme pendant le travail, cinq, je reviens, six, je serre bien les fesses, encore, sept, je reviens, huit, je reviens et jambe gauche, on enchaîne direct, genou, je descends et je reviens, et 2, je reviens, et 3, je descends, soufflez, et 4, je reviens, et 5, je reviens, et 6, et 7, je descends bien les fesses, et 8, je descends bien les fesses. Je récupère. Merci beaucoup, Minouchka. Très bien. Hania, super. Ça fait plus mal à gauche. Peut-être parce que tu as déjà travaillé la droite, donc la gauche, ça fait un peu plus normalement, non? Ok. Allez, troisième série. Après, on reste en bloc, d'accord? Allez, genoux. En bas. Et je reviens. 2, 3, 4. Et 5. Doucement, prenez votre temps. 6. Je descends. 7. Et 8. Je récupère. Et c'est la gauche maintenant. C'est parti pour la gauche. Genou. Je descends et je reviens. Genou. Je descends. Et je reviens. Et 3. Soufflez.
Et 4. Soufflez. 5. Soufflez. 6. Soufflez. 7. Ça va, Samy? 8. Je reste. Là, on a dit on reste en bloc chauffe en position squat. On écarte les jambes écartées au niveau, à la largeur des épaules. D'accord? Un tout petit peu. Et c'est les genoux qui font sortir un petit peu vers l'extérieur. Je reste en position squat. 1. Et 2. Et 3. On résiste. Et 5. Et 6. Et 7. Pas de L, pas de pied. Ça va? On récupère. Oh là, je suis toujours dans le cardio. C'est pas grave, Célia. Maliche, accroche-toi. Tu t'accroches et tu continues, d'accord? Alors maintenant, oui, on transpire grave. Ben oui, quand on travaille, on transpire. Et puis il y a des natures, il y a des personnes qui transpirent beaucoup plus que d'autres. Ok, super. J'ai tout fait. Samia, super. C'est très bien. Alors, c'est pas terminé maintenant, on reprend le squat. On va le durcir un petit peu. Renforcement, ok, on va cibler plus. C'est dur, oui, sunrise. Je sais que c'est un petit peu dur, mais tu fais selon ton niveau, ok? Tu baisses, tu diminues juste les répétitions, c'est tout. Mais les exercices, il n'y a pas des exercices faciles et qui font travailler. Non, le travail, c'est quand on fait de la résistance. C'est quand on reste dans le mouvement longtemps. C'est là où le travail de la résistance commence, d'accord? Ok, super. Allez, on enchaîne. Position squat toujours, là, largeur des épaules. On va descendre en deux temps, regardez. 1, 2, 3 et 4. Donc je descends en deux temps et je monte en deux temps. Regardez, toujours je pousse mes fesses derrière. 1, 2, 3 et 4. Quand je monte, je rentre bien mes fesses, je serre mes fesses, d'accord? Vous allez me lire gauche cayenne, ok? Là, je serre et je reviens. 1 et 2 et 3 et 4. Je monte et je serre mes fesses. D'accord? Ça va jusque-là? On y va? Let's go! C'est ça, les filles, c'est ça. Si on veut bien travailler, c'est comme ça, d'accord? Il faut se surpasser un petit peu, d'accord? Ne cherchez pas un exercice qui fait pas mal du tout, qui fait pas souffrir du tout et qui travaille, qui donne. C'est pas les exercices, j'ai dit, c'est les répétitions et c'est la résistance. Plus on résiste, et bien sûr, la résistance, elle vient avec le temps, d'accord? Vous commencez doucement, doucement. Par contre, il faut faire régulièrement. Et comme ça, la résistance, elle vient de plus en plus chaque jour, d'accord? On y va pour cet exercice. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, encore, allez, courage. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les nouvelles, vous faites que ça, c'est très bien, d'accord? Nous, on va encore rajouter une série. On va encore continuer avec le même exercice. C'est juste pour le pousser au maximum à deux muscles. Je continue. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Soufflez. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Ça brûle, hein? Ça commence. Je souffle. Je descends. Là, je serre les fesses toujours quand je monte. Stop, go, gauche, Kayen. Là, je reste. Je reste, je reste. Petit, petit, petit. Regardez, je reste en bas. Et 1, et 2, 3, comme un ressort, tout doucement par contre. Et poussez les fesses derrière, pas les genoux devant, ok? Allez, 5, 6, 7, ça brûle, je sais que ça brûle, vous faites ce que vous pouvez. Quand vous lâchez, c'est pas grave, ok? Je récupère.
Talon, talon, talon. Allez, on soulage les cuisses. Allez, allez. Talon, fesses. On récupère. Ça va jusque là? Oui, vous allez me dire c'est un peu dur, c'est normal. Mais c'est comme ça qu'on travaille. Yayima. Ah, Yafila, courage, courage. Oui, je sais, on tremble aussi, oui, quand on pousse le muscle au maximum. Donc, c'est très bien. C'est très bien de se surpasser un petit peu. C'est super. Après, je ne vous demande pas de faire le même nombre que moi. Chacun, parce que vous êtes nombreuses. Et chacun son niveau. Kelly, elles ont commencé il y a longtemps, elles ont travaillé longtemps avec moi. Donc, bien sûr qu'elles ont progressé. D'autres, elles viennent de commencer, donc il faut s'accrocher, Bok, ok? Bok, il ne faut pas abandonner, c'est tout. Si on veut un résultat. Ok, prochain exercice. On fait les fentes aussi, donc c'est très bien aussi pour les cuisses. Les hanches, l'intérieur des cuisses aussi, ok? Alors, pour cet exercice, si vous avez une chaise, ou là, un truc, un appui à côté, ou sinon un mur, ou là, regardez là, genou, et je monte, et je reviens, ok? Genou, je descends devant, et je reviens, ok? Je le fais sur le côté, chauffe l'air. Regardez bien, s'il vous plaît, là, je monte le genou. Après, je vais loin, d'accord? Je descends pas jusque là, juste ici, non, c'est pas ça. Je descends loin devant et là, ok? Il faut que le genou soit au-dessus du talon. Mais très vite, le genou va aller trop en avant. C'est mauvais ça, ok? Comme ça. À la position, comme ça. Et là, après je reviens, ok? Donc là, genou, je descends et je reviens. Allez, ça travaille très bien là aussi, le bas du corps. Je descends et je reviens. Si vous êtes prête, on fait 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ok, on va essayer de faire 3 séries comme ça, comme pour le premier squat, ok? Faiza, pourquoi tu fais pas? Oui, vas-y, tu peux commencer avec nous, c'est des exercices, on porte pas de charge et tout, donc on peut commencer sans être bien échauffé, d'accord? Après, si tu préfères, là, on a fait déjà 30 minutes. Je vais enregistrer le live et tu vas le faire après, si tu veux. Allez, donc on essaye 8, ensuite 8, gauche. Les nouvelles, vous pouvez faire une série de 8, 8, malich. Après, vous récupérez 8, 9, vous attendez, ok? Sinon, si vous arrivez à faire 2 séries, c'est très bien aussi, ok? Allez, let's go. Genou, je descends et je reviens. Genou, je descends et je reviens. Allez, encore. Et 3, je reviens. Et 4, je reviens. Genou, je descends en fente, je descends bien. Ok? 6, je reviens. 7, je reviens. Et 8, là, je reviens. La même chose pour la gauche. C'est parti, direct. Allez, c'est supportable. Vraiment, il est supportable jusque-là. Et je reviens. 2, devant, et je reviens. 3, je vous mets la position. On ne descend pas comme ça. Je redresse mon dos. Le genou juste sur le talon. Là, et je reviens. Et 3, je reviens. Et 4, je reviens. Et 5, je reviens. 6, je reviens. 7, je reviens, et 8, je reviens et je récupère. Écoutez, les nouvelles, si vous trouvez qu'il est un peu difficile et que vous n'arrivez pas à tenir l'équilibre, vous n'êtes pas obligé de lever le genou. Mais allez, vous faites que ça. J'avance et je reviens. Et j'avance sur la gauche et je reviens. Pas obligé de lever le genou, d'accord? Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire. Version très simple, ok? Et ça travaille aussi très bien.
Bonjour, bonjour. Aya, on enchaîne. Deuxième série, courage. C'est parti. Genou, je descends et je reviens. Genou, deux, je reviens. Genou, trois. Genou, quatre. Genou, cinq. Genou, six. Genou, sept. Genou, huit. Maintenant, la gauche, on enchaîne direct. C'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Courage. Sept. Je descends bien. Et je reviens. 8. Je résiste. Et je reviens. C'est très bien. Jusque-là, c'est super. On a fait deux séries. On va rajouter une troisième, ok? Faites-moi confiance, s'il vous plaît. D'accord? Et à la fin de chaque séance, de chaque exercice, chaque côté, on reste et on bloque, ok? Suivez-moi. Aïe, Albnet. 20 de chaque. Ah ben, c'est super, hein? Houda, ça chauffe. Très bien, let's go. Troisième série et dernière, ok? C'est parti. Allez, genoux. Je descends et je reviens. Deux. Je reviens. Et trois. Je reviens. Quatre. Je reviens. Cinq. Je reviens. Six. Je reviens. Sept. Je reviens. Ah oui, je reste. Là, on reste. Je vous plaît, s'il vous plaît, faites-le correctement. Avancez bien le pied devant et l'autre loin derrière. Et là, je reste. Là. Et ça travaille, ça travaille. Toute la cuisse. Allez, courage. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Je reste, je bloque. Allez, courage, 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 courage. Courage, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Je sais que ça brûle. Même pour moi. Et je récupère. Dernière pour la gauche. Et après, on va passer au sol. Abdos, fessiers. D'accord? On a bien travaillé les cuisses, en tout cas. Ok. Ça va? Prête pour la gauche? On y va? C'est parti. Allez, genoux. Je descends et je reviens. Deux. Viens. Trois. Je reviens. Viens. Quatre. Et je reviens. Allez, je prends appui sur l'aide de moi. Cinq. Je reviens. Courage. Six. Je descends et je reviens. Allez. Sept. Je reviens. Dernier. Ah oui, je reste. Éloignez bien le pied derrière, là. Il faut que le genou ne dépasse pas trop le talon, s'il vous plaît, ok? Je répète, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le font toujours. Je serre mon ventre, vous allez voir que je compte. Je redresse un peu mon dos et je descends. 1, 2, 3, 4. Voilà, tu as une vidéo qui m'a aidé. Non, c'est pas ça, c'est le bassin. Voilà, lève le genou du sol. Voilà, 5, 6, 7. Et 8 minutes devant la machine. On reste. On reste. On résiste. On résiste. On ne bouge pas. Allez, courage, 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 courage. 5. Voilà. On redresse un peu ton dos. On reste, on reste, on reste. Et on relâche. Bravo, Nigel. On récupère. Je vous laisse récupérer. 30 secondes à 1 minute. La clim, attention, on mettra fiche. On a oublié de classe, Marodine, la clim et tout, depuis la naissance. Donc ça va, ils ne sont pas trop. Moi je ne les couvre pas beaucoup d'ailleurs, je suis tamé, parce que je vous ai fait le travail et tout. Ils ont l'habitude, alhamdoulilah.
Mais Mardo, je suis vraiment très très rare au Mardo. Alhamdoulilah, Dieu merci. Oui, dur, dur, mais ça travaille très très bien, Hanouna. Il faut résister, Bark, ok? On résiste, Bark, le bnet, chouïa. Hadiya, shbah, hadahoua. C'est que là, man, hadrouch, ala shbah, justement. Là, c'est la santé, yani. Qu'est-ce plus? Qu'est-ce que j'ai fait dans le saha? Ma cage. Donc, vraiment, on le fait pour la santé. Eh ben, on t'a dit, fais attention, il y a la clim. Elle, c'est pas très très froid, hein. C'est à 24, 25. Hein? La clim, c'est quoi? Ici. Ok, on prend un tapis, les filles. On va travailler, chouïa les bras, d'accord? Quelques exercices. On travaille, chouïa les abdos, chouïa les fesses, ok? Chouïa, chouïa, chouïa. Un peu de tout, ok? Attends, je prends le tapis celui-là, parce qu'il est confortable. Attends, après on met la serviette. Mais je pour. Donc, quand je la trouve voilà. Ok. Est-ce que ça va? Ça va les cuisses? Vous allez avoir des courbatures peut-être demain? Il faut résister, d'accord? Les courbatures, c'est pas une maladie, je vous ai dit toujours. C'est une réaction, c'est normal quand le muscle travaille bien. Il dégage, il y a de l'acide lactique. Donc, oui, on va commencer par les bras. On fait un petit peu les pompes, ok? Alors, regardez. On le fait sur les genoux parce qu'il va être très difficile, sinon, surtout pour les nouvelles. Là, alors. Alors, je descends, là, je descends complètement là, poitrine, et je pose. Après, je reviens, ok? Je reviens, j'allonge mes bras, et ensuite, je reviens sur les genoux, ok? Là, ça fait un, et je reprends, deuxième. Je fléchis, notouer les bras, et je descends. Ensuite, j'allonge mes bras, et je reviens, là, et deux, voilà. Là, alors chauffe-vous. La position, à chaque fois on change la position, tu as les bras, on travaille d'autres muscles. Donc pour la poitrine, il faut écarter, je suis à les bras, d'accord? Comme ça, le fait que je suis à, et là je descends comme ça, voilà. Ça c'est pour la poitrine, d'accord? Après si je colle, je suis à les bras comme ça, là on travaille plus les triceps, ok? Et je monte et je reviens. Ça fait 4. Oui. Allez, on écarte un petit peu parce que Haoust Bzeb à la poitrine. Je descends et 5. Je reviens. Encore. Allez. Je fléchis et je descends. Je pose tout. Et je reviens. J'allonge mes bras. 6. D'accord, très bien. Encore. Je le fais comme ça sur le côté pour leur montrer bien la gel et après je reviens. Là, regardez les genoux. Donc, je fléchis et je descends tout. Je descends tout le bassin, tout le corps. Voilà. Et je reviens. Là. Et je soulage. Ok? Allez. 7. Ok, la gel les compte pour nous. Très bien. Allez, je fléchis. Je descends. Je pose le bassin. Je redresse. Et 8. Très bien. Là, c'est la première série. Maintenant, je reste comme ça. Allongé complètement. Les bras tendus. Ok, je fomme les jambes tendues. On est à plat sur le ventre. On travaille le dos. Et ça, c'est très important aussi, d'accord? Pour éviter les problèmes de dos, pour ceux qui n'ont pas de problème. Et pour corriger un peu et soulager un peu pour ceux qui ont déjà les problèmes de dos. Les bras tendus. Et là, on vole comme un avion. Là, il donne. Voilà. Donc je monte, je reste quelques secondes et je relâche. Je descends, ok? Je monte, voilà. On vole comme un oiseau. Voilà. Et je descends. Encore. Et 3. Et je descends. Et 4. Et je descends. Et 5. Soufflez. Je descends. Et 6. Très bien. Encore. Et 7. Je descends. 8. Je reste. Restez bloqué.
C'est super. On relâche. Ça va? Bravo mon champion. Là, je dirais que tu es devenu tout cahlouche. Cahlouche ou noir? Ça veut dire que tu es noir. Tu deviens chocolat. Pas noir, noir, je veux dire marron foncé. Parce que tu es resté trop au soleil. Alors, on refait deuxième et troisième série, la même chose, ok? Les deux exercices à dos, on va faire deuxième et troisième série, ok? Sur les genoux, donc j'avance mes bras, la position, et je descends, et je reviens. Et là, j'avance avec les mains, ok? Chauffe, la position, les nouvelles. La position vers les pompes. On ne descend pas comme ça. Quoique, on peut faire ça. Hein. Là, et après, on s'allonge et on revient. Ok? Ou sinon, j'avance, j'avance. Position, c'est-à-dire ligne droite, chauffe, entre le dos et les fesses et les cuisses. Et à ce moment-là, je descends et je reviens. Ok? C'est-à-dire, les deux, elles sont correctes. Il n'y a pas de problème. On a fait trois. Ok, allez. Attends, moi, j'ai pas fait quatre. Allez, je descends et je descends la poitrine, le bassin et je monte. Encore, je reviens et on reprend. Allez, j'avance tout, je descends, 5, je monte et je reviens. Ensuite, j'avance, je descends, je redresse, bras tendu et je reviens. 6, encore, allez, j'avance tout. Je descends sur les bras. 7. On avance. Je descends. Oh. Et je reviens. On descend et on reste maintenant pour le dos. Deuxième exercice. Les bras tendus. Les bras tendus, on monte. Position, allez pour le dos. 2, 3, je résiste. 4, 5, soufflez. 6, soufflez. 7, 8, on récupère. Et dernière série. Courage, courage, dernière série pour les bras, le haut du corps. On danse? Oui, normalement on fait du sport, mais la danse c'est du sport aussi. Aïe. On refait la même chose. Allez, courage. On y va, sur les genoux. J'avance, j'avance avec les bras. Je descends. Je redresse. Et je reviens. Sur les fesses sur les talons. Voilà, on reprend. Allez, on va avoir des bras très forts, Nigel. Encore. Deuxième. J'allonge, je redresse et je reviens. Allez. Encore. Ça, c'est 3. Allez, en bas. J'allonge. Et je reviens. Encore. Allez. Je descends. 5 et je reviens. Encore, j'avance, j'avance et je fléchis d'abord. Donc on fléchit d'abord, ok? Après on descend le bassin. Mais si vous descendez le bassin avant les bras, je reviens, ok? Allez, j'avance, j'avance. Je fléchis d'abord les bras et ensuite je descends le bassin doucement. On a remis trop fait maintenant, mais doucement on le fait. Allez, dernier, courage. Je fléchis les bras, je pose le bassin à la poitrine. Maintenant, j'allonge les bras. Et je reviens. Mais attends-nous, Nigel. Allez, maintenant, le dos. Bras tendus, je monte. Chauffe les bras, il faut monter les bras plus haut que les épaules. Et je descends. Et 2. Et 3. Je ne compte pas.
Et, oups, pardon, 4. Et 5. Et 6. Et 7. Ah oui, je reste. On reste, on résiste. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je récupère. Voilà, on récupère. Je vous laisse 30 secondes pour récupérer et on passe aux abdominaux. 7. Oui. Ça va? Ouh là là, 45 minutes déjà. Ok. Ah ben, on fait les abdos et c'est terminé. Là, voilà, les fesses, on a travaillé avec les squats. Très bien. Regarde, tu as plein de cœur, Nigel. Je pense que c'est tout pour toi. Dur, dur. C'est bien. Hein? Pourquoi il y a moins de gens qui me regardent? Il y en a moins, je sais pas. Parce que les autres, ils dorment peut-être. Comme c'est samedi, tu vois, c'est le week-end. J'ai envie qu'il y a plus. Ah, on ne peut pas les forcer à venir, hein? Quelqu'un, Nigel, pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui? Oh, ça va quand même, hein? Merci beaucoup. On continue le challenge fessier. On a arrêté, on a terminé, on a fait 2 semaines. Mais après les vacances, je vais vous faire un autre challenge. On va essayer d'alterner peut-être abdos et fessiers. Merci beaucoup. Oui. Oui, c'est bien pour libérer la cage thoracique, bien sûr, cet exercice qu'on a fait. Tu vois, elles te disent, on est là, regarde, tu as plein de corps. Qu'est-ce que tu veux? Regarde, il y a 100 personnes. Eh bien, c'est bien. Ah, elles sont en train de venir, tu vois. Nigel, il vous demande d'être là en force. On travaille, on fait du sport, d'accord? Ok, allez, abdominaux. Sur le dos. Les mains derrière la nuque. Serrez bien le ventre. Serrez le ventre. Une nouvelle. J'explique avec le mouvement les crunches. Chauffe. Quand on monte, et donc, ça vous fait mal à la nuque. Il faut pas faire l'exercice. Maintenant, avec le ventre, avec ça, d'accord. Donc, je contracte. Qu'est-ce que je fais? J'arrondis un peu mon dos. Je serre mon ventre. Vous voyez le cachet et je monte. Donc, on décolle légèrement les épaules. Je serre le ventre et je relâche. Je serre le ventre et je relâche. C'est ça l'exercice, d'accord. On ne cherchait pas à monter avec la tête, ok. C'est parti. Allez, 1, 2, très bien. 3, tu peux t'en aller si tu veux. 4, 5, 6, 7, 8, encore une série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je reste. Maintenant, j'allonge la jambe gauche et avec la main droite, je vais toucher le pied. Et je descends. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Je relâche. Et je change. La même chose avec l'autre jambe. Je vais toucher le pied et je descends. Et 2. Et 3. Et 4. L'autre. Et 5. 6, avec la main gauche, je touche le pied droit. 7, 8, je récupère et je rajoute une série comme ça, d'accord? On change. On y va. J'allonge et je descends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On récupère. On pose les mains ici, juste sous les fesses, d'accord?
pour bien soulager le dos. Et je ramène les deux genoux là et je descends, ok? Deux, genoux poitrine. Et trois. Quatre. Cinq. Six. Allez, sept. Huit. On décolle les fesses un peu, ok? On refait une deuxième série, allez, courage. Et un. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, on récupère. On récupère, c'est pas fini les abdos chéris. Encore un peu d'abdos, encore, encore, encore. Là, je pose les bras au sol, je pose la tête, je monte les jambes et je balance là, une jambe après l'autre. D'accord, je sens serrer le ventre. Il ne faut pas qu'il y ait le creux là, il ne faut pas que la main passe en dessous du dos, d'accord? Il faut bien coller le dos comme ça. Je serre mon ventre pour bien coller le dos, ok? On y va. Allez, courage. Jambe droite, jambe gauche. Droite, gauche. Deux. Soufflez. Trois. Allez, courage. Quatre. Cinq. Six. Sept. 8, je récupère. Ça va? On récupère. Allez, encore quelques abdos avant d'arrêter. Là, sur les coudes, j'allonge mes jambes comme ça. Les jambes tendues devant, ok? Et je tape. 2, ok? Moi, je le fais sur le côté. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore, allonge tes jambes. Voilà, comme Nigel. Voilà, viens un petit peu ici pour leur montrer. Voilà. Très bien. Encore, encore, encore. Allez, je reste maintenant, je ne bouge pas. Ok? Je rase le sol avec les pieds, mais je ne touche pas le sol. Comme ça. Avec les petits pieds comme ça. Je reste, je résiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche, on récupère. Ça va? T'as bien travaillé, mon fils. Bravo. Allez, dernier exercice. Dernière série pour les abdos, ok? Allez, on y va. Maintenant, on allonge une jambe après l'autre. 1, 2, 3, pose le dos, pose le dos. Voilà. 5, 6, 7, 8. Maintenant, coude genou. 1, 2, 3, 4. Très bien. 5. Voilà. 6. Très bien, Nigel. 7. 8, encore, j'allonge bien la jambe. Prenez votre temps pour allonger la jambe, ok? 1, allez, on reprend, deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je récupère. Ça va? Ça va les abdos? Eh oui, bravo Nigel, chefto. Allez, faites du courage. Soyez courageuse comme Nigel. Regarde Nigel, t'as plein de cœur. Merci. On va s'étirer un petit peu parce qu'il reste que 5 minutes où il classe le live. Il va s'éteindre tout seul, ok? Après une heure, on a fait une heure de travail les filles. C'est juste magnifique. Après une heure, il va s'arrêter tout seul, justement. Allez, sur le dos, on s'allonge. Chauffe-toi, hein? Non, allonge-toi, allonge-toi. On s'allonge sur le dos, ok? Je vais vous montrer avec Nigel. Je vais jouer comme une poupée, comme si j'avais une poupée. Je pose la tête au sol. Je pose bien le dos au sol. Voilà, détendez-vous, relâchez bien tous vos muscles. Je ramène le genou droit. Attends, fléchis. Voilà, vers la poitrine, comme ça. Très bien, je prends le genou avec les deux mains. Et je reste, posez bien la tête au sol. On descend bien. Voilà.
Très bien. On écrase la poitrine avec le genou. Voilà. Non, 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 juste celle-là. On allonge ça aussi. On allonge bien là. Très bien. Maintenant, on ramène les deux genoux. Les deux genoux et je reste. Très bien, Rach. Pose la tête au sol. Pose la tête au sol. Voilà. Ramène les deux genoux. Maintenant, on allonge la jambe droite. Et on garde le genou gauche contre la poitrine. On écrase la poitrine avec le genou. Hadi, allongé. Allonge bien. La jambe Hadi qui se l'a amené. Ok, je comprends. Voilà, très bien. Maintenant, je ramène les deux genoux et je reste. Voilà. Très bien. On reste comme ça. Je crois qu'il y a une poupée, ça me rappelle. Maintenant, à partir de cette position, prends les deux. On se retourne sur le côté comme ça et on reste. Voilà, position fœtus. Avance un petit peu ici. Tu as vu le bébé quand il est dans le ventre de sa maman? Il est comme ça. Voilà, comme ça. On reste, on ferme les yeux. On pense à rien. Voilà, on récupère. Reste comme ça, Nigel. Reste comme ça. Voilà ce qu'il faut faire. Très bien. On récupère, on soulage maintenant. On vous libère. Je vous dis à tes comme ça. Je pense que c'était une super séance. Moi, personnellement, j'ai très bien travaillé. On a fini l'idée. Yeah. Bon, bravo. Regarde toutes ces filles qui ont travaillé avec nous. Qu'est-ce qu'on leur dit? Bravo. Il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner. Voilà. Ça a l'idée. Choufo, Hadi, tu as le meilleur poids. Il n'y a pas un meilleur poids pour Zama. Je veux te préciser. Zama, moi, je fais 1m63. Je pèse 59 kilos, 60, entre 59 et 60. Il n'y a pas un poids idéal, genre, je sais pas, genre 56 pour ma taille, par exemple. Non. Il ne faut pas, bien sûr, être en surpoids. Mais dès que vous vous sentez bien en forme, à l'aise, bien dans vos habits, tout ça, c'est bon, d'accord? Il n'y a pas une précision, tu as le poids idéal, Hadab, Blehseb. Pour moi, en tous les cas. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Yatikoum Saha. Oups, il va s'éteindre le live. On se retrouve. La meilleure vidéo. Merci, Samira. Merci. Je vais enregistrer le live. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Je vais essayer d'organiser un live même heure. Parce que lundi, je ne pourrai pas. Allez, je vous laisse. Il va s'éteindre. Sinon, je ne pourrai pas l'enregistrer. Ciao, ciao.